Bonsoir à tous. Vraiment que la paix du Seigneur soit dans notre cœur. Et il est tellement amour, le Seigneur, que c'est ce qu'on comprend aujourd'hui. L'homme n'est pas né, Dieu ne doit pas créer l'homme pour vivre sans amour. Et le Seigneur veut en ce soir comme un père. Il vient comme un père ce soir pour vraiment prendre ses enfants de ses bois. L'homme ne peut pas vivre sans amour. Et vraiment, le Seigneur veut que nous puissions garder sa parole. Parce que sa parole est amour. Quand tu as sa parole, eh bien, tu es comblé. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle, à vivre dans cet amour, à méditer sa parole tous les jours. Voilà. Quand on est rempli de l'amour du Seigneur, eh bien, on fuit le mal, on fuit le péché. Et nous comprenons que le Seigneur nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, le Seigneur envoie ses disciples deux à deux aller prêcher le royaume des cieux. Et il leur dit de ne pas prendre ni sac, ni bourse, ni des tuniques, ni monnaie, ni toutes choses. Pourquoi? Parce que en la parole se trouvent toutes ces choses. Il y a le lait. Il y a l'eau, le médecin, si tu es malade, le Seigneur te guérit. Il est la justice, il est notre vêtement. Donc, il est en quelque sorte tout pour nous, tout pour ses disciples. Et nous avons vu, je l'ai expérimenté dernièrement. On a été en mission du côté même de la Martinique et de Saint-Martin. Eh bien, on n'avait pas faim parce qu'on était rempli de la présence du Seigneur, de l'amour du Seigneur. Et c'est vrai, lorsqu'on jeûne, lorsque le Seigneur te dit de jeûner, c'est un repas que tu es en train de manger, de déguster. Donc tu n'as pas faim. L'amour du Seigneur, surtout dans ces temps de la faim que nous sommes, on doit être rempli de compassion, rempli de l'amour du Seigneur. Lorsque tu es rempli de l'amour du Seigneur, tu as le support. Tu as la maîtrise de soi parce que le Seigneur habite pleinement en toi. Donc le Seigneur nous appelle à vivre dans son amour, par son amour. Parce que nous savons que l'amour est un lien de la perfection. L'amour, c'est la guérison du cœur. Et combien le Seigneur veut encore guérir nos cœurs ce soir. Guérir nos cœurs. Voilà. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je ne serai pas ton long. Beaucoup de paroles, très peu de paroles. Mais l'amour du Seigneur. Que vraiment l'amour du Seigneur nous en prenne ce soir et restons dans cet amour. Le Seigneur veut comme un père. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'amour là. Eh bien, le Seigneur vient ce soir et il va te combler de son amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais en quelques mots nous encourager à persévérer. Amen. Dis avec moi, je persévère. Amen. Vous voyez vous-même que nous avons longtemps parlé de fin des temps, mais nous sommes à la fin. Amen. Donc nous devons persévérer. C'est le moment pour nous de tenir, de résister. La Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons résister. Nous entendons tellement de choses. Que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, nous entendons tellement de choses. Même sur la maladie, sur le virus, on nous propose mais beaucoup de choses. Vous avez l'information de WhatsApp, n'est-ce pas? Mais plein d'informations. Mais nous devons persévérer. Nous devons prier afin que le Seigneur nous donne la bonne direction. Amen. Nous avons décidé et nous avons choisi Yeshua parce que nous voulons aller avec lui au ciel, n'est-ce pas? Il nous demande de persévérer. La Bible dit que vous serez traité de tous les noms à cause de moi.
Vous serez jetés en prison à cause de moi. Vous serez haïs à cause de moi. Vous aurez des tribulations à cause de moi. Mais dans toutes ces choses, nous devons persévérer. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas tes épreuves. Le feu que tu traverses non plus. Mais ce que je sais, c'est que Yahushua nous a dit que nous devons persévérer. Nous devons prier et nous devons résister. Nous devons tenir ferme. Et c'est à l'ennemi, c'est au diable de fuir parce que Yahushua est en nous. Amen. Nous sommes des plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Nous devons persévérer. Beaucoup de choses, beaucoup de défis nous attendent en cette année 2021. Vous allez voir que les choses vont se dégrader, les choses vont se compliquer. Mais nous devons pouvoir résister, nous devons pouvoir tenir. Parce que nous avons la prière qui est une arme. Nous avons la parole de Yahushua également qui est une arme. Et nous devons nous appuyer sur cette parole et sur les promesses que Yahushua nous a données pour pouvoir tenir dans ces temps qui sont les derniers. Yahushua arrive très bientôt chercher son église. Amen. Donc c'est juste vous encourager, nous encourager à la persévérance. Nous devons tenir, nous devons supporter et nous devons rester dans l'amour, dans la crainte, dans l'obéissance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et on dit en créole, Kimbered. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Bonsoir. Donc en fait, c'est juste un encouragement, hein. Vraiment à persévérer. Nous sommes effectivement dans le temps de la fin, mais le Seigneur est là, il ne faut jamais l'oublier. Vraiment garder les yeux fixés sur Yahushua Mashiach. Il nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas, il ne nous délaissera pas. Vraiment, même si les temps sont difficiles, même si la famille nous combat, même si les collègues nous combattent, mais vraiment garder les yeux fixés sur Yahushua, ses promesses. Il est fidèle pour l'accomplir. Et donc vraiment, je vous encourage encore. Vraiment, ne regardons pas à ces combats, même à l'ennemi qui peut agir au travers de notre entourage, parce que nous avons la victoire. Elle est acquise. Dès que le Seigneur nous a touchés, nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire. Donc vraiment, je vous encourage encore davantage. Persévérons, persévérons, car le Seigneur est là. Il est là constamment. Même quand nous dormons, il est là, il veille sur nous. Même quand nous ne pensons pas à lui, nous sommes concentrés au travail, quel que soit, il est là, il veille, il combat pour nous. Donc vraiment, je vous encourage encore. Il y a un jour, le Seigneur m'avait, il m'avait vraiment fortifié à travers il m'avait fait comprendre en fait qu'il a vraiment tout accompli. Il a vraiment dépouillé Satan en fait de toutes ses armures. Et il me faisait comprendre que Satan en fait c'est comme les armes qu'il a, c'est comme des jouets en fait devant le Seigneur. Il me faisait comprendre par exemple. Lorsque Satan, quand il y a un enfant qui a peut-être un pistolet à eau, ben en fait on sait que c'est un pistolet à eau et que le pistolet à eau, même s'il nous lance de l'eau, ça n'a aucun effet en fait. Mais les véritables armes, c'est le Seigneur qui les a en fait. Donc en fait, même si Satan nous lance de l'eau, ben ça va nous mouiller. Mais en fait, il faut prendre autorité. Comment on prendrait autorité sur un enfant pour lui dire d'arrêter en fait? C'est bon. De toute façon, je n'ai pas peur de ton arme, de ton pistolet à eau, quoi. Parce que, voilà, nous savons que cette arme-là, ces armes que Satan veut, pour lesquelles Satan veut nous accabler, veut nous faire peur, mais en fait, elles sont sans effet, parce que nous avons le nom de Yahushua en nous. Donc, voilà, je vous encourage encore, encore et encore, persévérez. Le Seigneur est bon, il nous attend au bout. Et donc, voilà, soyez bénis. Thank you.
Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce encore d'être en vie. Quelle grâce, une grâce imméritée. On est encore debout. On a encore le souffle de vie. Waouh, merci Seigneur. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Il y a beaucoup qui ne l'ont plus. Et le Seigneur nous fait grâce. Nous fait grâce en ce soir de se réunir. Peut-être ce sera la dernière fois. Est-ce que tu es dans le bon chemin ce soir? Est-ce que tu es dans la bonne voie ce soir? Vous savez, avec le Seigneur, ben c'est une répétition. Et justement, c'est fait pour qu'on puisse tenir, qu'on ne lâche pas. On a besoin d'entendre constamment. Peut-être que vous avez déjà entendu ce message. Mais le Seigneur, en fait, il permet qu'on entende à nouveau. Parce qu'on a besoin de ça pour continuer la marche. Là, la question est de se poser, où j'en suis ce soir? Où je suis? À quel stade que je suis? Ma vie spirituelle, est-ce qu'elle glorifie le Seigneur? Est-ce qu'elle honore Jésus-Christ de Nazareth? Tout ce qu'on fait jusqu'à ce jour, tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, les actes que nous avons posés, est-ce qu'elles ont glorifié Yeshua Mashiach? Pose-toi la question intérieurement. Ce n'est pas ton voisin qui doit savoir pour toi, c'est toi avant tout. Et si tu arrives à voir qu'il y a des failles, je vous invite, je m'invite moi-même aussi à prendre ce temps, cet instant et de saisir. S'il faut demander pardon, qu'on le fasse. Parce que nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Je pense que beaucoup ont déjà entendu ça, mais c'est vrai. Beaucoup seront surpris certainement le jour que le Seigneur reviendra. Parce qu'on pense qu'on a le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est le temps, au contraire, de persévérer dans la marche. C'est le temps, au contraire, d'approfondir, de rentrer en profondeur dans cette intimité avec Yeshua. C'est le temps, justement, de fixer les yeux sur le Seigneur. Parce que c'est lui qu'on a besoin. Il n'y a plus rien que ce monde pourra nous donner. Il n'y a plus rien. On n'a plus rien à espérer dans ce monde. Que dans Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Alors ce soir, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore fait ce pas, je vous invite à rentrer dans cette intimité avec lui, à le questionner, à lui parler. Il est attentif, il est attentif, il est attentif. Là où tu es, tu as des doutes, là où tu as des questionnements, il est capable de te répondre. Il est capable de te répondre. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et il nous aime. Il nous aime. Si on arrivait à saisir la profondeur de son amour, si on arrivait à saisir la profondeur de son amour, limite qu'on ferait un pas, on demande, Seigneur, ça te va? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Réalise que le Seigneur t'aime. Tu as le souffle de vie. Tu es encore en vie. Il te donne une opportunité encore. On a besoin du Seigneur. On a besoin de lui. On a besoin de lui tous les jours. Crie à lui et tu verras. Crie à lui et tu verras. Il te répondra. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Parfois, on demande des choses, mais on doute. Demande-le avec foi et tu verras. Il ne faut pas douter. Le Seigneur est pressé, pressé de arracher les âmes du camp de l'ennemi. Le Seigneur est pressé de délivrer. Le Seigneur est pressé, il faut saisir cela. Et on n'a plus le temps pour la distraction, les choses de ce monde. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, demande au Seigneur. Demande-lui et il te répondra. Demande-lui. Cessons de perdre du temps. Il nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Quel temps que tu rachètes? Quel temps que tu rachètes? Le temps de ta jeunesse perdue? Quel temps que tu rachètes? Le temps de la distraction perdue? Le temps des folies perdues? J'ai envie de te dire que ce temps-là, si tu le rachètes, il t'emmènera tout droit en enfer. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps.
cherche à avoir cette intimité avec le Seigneur. Il ne te demande pas grand-chose. Avoir ce cœur à cœur avec lui, ce cœur à cœur, ce cœur à cœur. Tu peux le voir comme un ami, tu peux le voir comme un époux, tu peux le voir comme un frère. Il vient, il t'accepte comme tu veux qu'il soit en fait. Mais n'oublie pas que c'est l'Éternel des armées et qu'on ne se moque pas de lui, qu'on ne se joue pas de lui. Il est Dieu, il est souverain, il nous fait grâce et il n'a pas forcément besoin de nous. Il nous fait participants de son œuvre. Il nous fait le connaître alors qu'il aurait pu passer sur nous. Il aurait pu nous laisser dans la boue dans laquelle nous étions. Et pourtant, il nous a arrachés. Je bénis le Seigneur. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont déjà un certain temps de marche avec le Seigneur. Et tu te dis peut-être avec les hauts et les bas, mais tu es là encore. Bénis le Seigneur. Ce n'est pas facile. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas se cacher les choses. La marche, elle n'est pas facile. Mais si tu es là en ce jour et que tu tiens, bénis-le. Bénis-le. Tu as le souffle de vie. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Wow. Magnifique, papa. Merveilleux. Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Wow. Alléluia. Merveilleux tu es. Merveilleux tu es, papa. Merveilleux tu l'es, véritablement. Que nous puissions incliner nos cœurs et le remercier sincèrement. Si on peut prier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour nos familles. Alléluia. Alléluia. Merci, papa. Merci, papa, parce que tu nous fais grâce encore. Nous n'avons pas mérité cela. Et tu nous fais grâce, papa. Tu nous fais grâce, papa. Oh, Yeshua. Que ferions-nous sans toi, papa? Que pourrions-nous sans toi, papa? C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, Père. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Nous voulons nous débarrasser, nous dépouiller du vieil homme. Nous débarrasser, nous dépouiller des choses de ce monde. Afin d'être à ton image, papa. Afin d'être à ta ressemblance, papa. Oh Yeshua, que ferons-nous sans toi? Tu mérites la gloire entièrement. Tu mérites l'honneur, papa. Tu mérites l'élévation. Alléluia. Alléluia. Merci, papa. Merci, papa. Que nous puissions avoir ces cœurs adorateurs. Adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Même si tu es accompagné, ne te préoccupe pas de la personne qui est avec toi. Et parle à ton Créateur. Dis-lui combien tu l'aimes. Ou dis-lui combien tu as besoin de lui. Que tu as besoin qu'il t'aide. Tu as besoin qu'il te délivre. Tu as besoin qu'il t'arrache de certains péchés. C'est le moment de lui dire. Demain, il sera peut-être trop tard. Demain, il sera peut-être trop tard. Yeshua, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, oh Père, mon Créateur, adorons-le, frères et sœurs, adorons Jésus.
enfants, aimez-nous. Bon Dieu, aimez-nous. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Qui aime le Seigneur? Levez la main. C'est comme si tu les offres, ils las. Qui m'a mis las? Yeshua, notre amour, Yeshua, notre amour, Yeshua, notre amour, notre amour. Faites amoureux du Seigneur. Hein. Je vous dis la vérité. C'est terrible son amour. C'est plus bon que l'instant. C'est terrible. C'est meilleur que les boîtes de nuit. Aïe, aïe, aïe. L'amour abondit. Mes amis. L'amour de Jésus. Goûte à son amour, goûte à sa présence ce soir. C'est le temps de goûter à son amour. Hey, c'est le temps de connaître le Créateur. Hey, mes amis, c'est le temps de connaître ta la qui créait mon là, ta la qui créait tes là, ta la qui créait. C'est le temps de baïvia, si des souper vert. Aïe aïe aïe. Il veut souper avec ma chèvre. Il veut pas l'amour. L'amour à Yeshua. Jésus-Christ. Hey, mes amis, je vous dis, hein, c'est le jour pour toi. C'est ton jour. C'est ton jour de le connaître. Marcher avec ton Créateur, ses yeux sont posés sur toi. Pas vrai ça? Si il posé sur ou tes poumons, mais il protège où? Le Créateur, Yeshua. Aïe 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 aïe, mes amis. Le Créateur t'appelle, il t'appelle sa fille, son élue, sa princesse. Tu n'as plus rien à faire dans le monde, tu n'as plus rien à faire avec les petits copains, tu n'as plus rien à faire dans le péché. C'est le moment de rentrer dans la... Entre dans l'arche. L'arche, c'est le Seigneur Yeshua de Nazareth. Mes amis, il est trop bon. Le Seigneur est trop bon. Il faut le rencontrer. Accepte-le de ton cœur. Adore-le, cherche-le. Il va se présenter à toi. Il va se présenter à ton cœur.
Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il va rentrer. Si tu ouvres pas, il va pas rentrer. Parce que le Seigneur donne le choix aux hommes. Le Seigneur donne aux hommes le libre arbitre, le libre choix. Seigneur, prends le contrôle, papa, ce soir, papa. Que ton esprit, papa, nous conduise. Que ton esprit, papa, Père, nous aide. Seigneur, que ta parole, papa, nous nourrisse. Que ta parole nous remplisse, papa. Beaucoup se posent des questions ici. Beaucoup sont en train de douter en la véracité du Seigneur. Et ce soir, il te dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Parce qu'il ne veut pas que le diable te détruise. Il ne veut pas que le diable te détruise. Qu'attends-tu, femme? Qu'attends-tu, homme? Pour entrer dans l'arche. Qu'est-ce qui te retient dans le monde? Quel homme te retient dans le monde? Quel péché te retient dans le monde? Ne vois-tu pas l'état du monde? Ne vois-tu pas que c'est le chaos? Ne vois-tu pas que c'est la fin, homme, femme? Que le Seigneur est en train de parler aux nations? Que le Seigneur parle aux hommes? Il parle au monde? Qu'il est proche, qu'il revient? Beaucoup jouent avec le Seigneur. Beaucoup ne prennent pas le Seigneur au sérieux et veulent être bénis, veulent recevoir la grâce, mais s'amusent avec la vérité, s'amusent avec la parole du Seigneur. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ton jour, c'est aujourd'hui. Il dit dans Hébreux 4, verset 7, « N'endurcissez pas votre cœur, vous qui entendez sa voix. » Ne reste pas braqué sur un homme qui parle. Le Seigneur veut ôter tes péchés. Il veut ôter ta vie dans le péché. Parce que le diable, il veut te tuer. Le diable veut te détruire. C'est pour cela que la terre est si mal. C'est parce que les hommes sont dans le péché. Ils ne veulent pas payer le prix. On est parti évangéliser en Martinique. Le Seigneur a sauvé des âmes, a touché des âmes. Quand tu poses la question aux gens, est-ce Jésus, quand tu leur dis que Jésus t'aime, moi aussi je l'aime. C'est la première chose qu'ils nous disent. Moi aussi je l'aime. Mais qu'est-ce que aimer le Seigneur? Lorsqu'on aime son mari, lorsqu'on aime sa femme, on pose des actes, vrai ou faux? On demeure fidèle, vrai ou faux? Quand quelqu'un trompe son mari, là, il n'aime pas. Après ça, ben mais. Quand quelqu'un est dans la fidélité, il n'aime pas son conjoint. Il n'est pas aimé. Parce que lorsqu'on aime, on pose des actes. Oh oui. Et bien c'est pareil pour le Seigneur. Lorsqu'on aime le Seigneur, on pose des actes. On obéit. Le Seigneur n'est pas compliqué. Oh. Jésus n'est pas compliqué. Il nous demande juste l'obéissance. Juste l'obéissance à sa parole. Il n'a pas demandé à l'église tous les dimanches. Il n'a pas ça commandé où? L'obéissance. L'obéissance. Et c'est là où on a du mal, nous les humains. Et on dit, on aime le Seigneur. On aime le Seigneur. Mais il n'y a pas l'obéissance. Vous savez, la marche chrétienne, la vie chrétienne, suivre plutôt le Seigneur, plutôt je dirais, avoir la foi dans le Seigneur, c'est pas facile hein, parce qu'il y a des attaques. C'est pas facile parce que le monde, c'est comme un aspirateur. Il t'aspire.
Mais grâce au sacrifice du Seigneur, il a crucifié la chair sur la croix. Waouh! Voilà la grâce. C'est lui l'exemple, c'est lui la solution. Le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça, mon frère? Ça va? Philippe? C'est Philippe? Non. Vous voyez? Il a crucifié la chair sur la croix. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es crucifié aussi. Oh oui. Ta chair est crucifiée. Tu vois? Et tu as plus répondre aux appels de la chair, aux appels du monde. Tu ne vas pas rentrer dans l'aspirateur qui va t'aspirer là. Tu vas marcher à contre-courant. Je te dis la vérité. Mais il faut que tu le veux. Il faut que tu le veuilles. Si tu ne veux pas, tu vas t'aspirer. Je vous dis la vérité. Et la parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du le paradis. Les violents. Si tu n'es pas violent, tu vas te faire manger, détruire. Parce que la parole dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Tous les jours, il a des plans contre moi, contre toi, pour nous dévorer. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis la vérité. La guerre est terrible. La guerre est terrible. Il veut nous dévorer dans quoi? Les films porno. Il veut nous dévorer dans quoi? La musique du monde. L'homme a du mal à abandonner la musique du monde. Zouk, zouk. Compas, dancehall. On a du mal avec ces musiques-là. L'homme a du mal. L'enfant du Seigneur, ben, il retombe tout le temps dans ces choses. Et le Seigneur te dit, il faut que tu abandonnes la musique du monde. Parce que la Bible dit que le diable au ciel était le chef d'orchestre. Il était capable de jouer musique en haut là, musique. Mais comme il était déchu, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui là? Il détruit les âmes avec la musique. La musique a une puissance terrible dans le cœur de l'homme. Vous le savez en plus. Ça envoie des messages subliminales. Tu comprends même pas la musique où? Mais ou Adam, ton âme comprend ce que la musique dit. Oh, faux. Des musiques, on ne comprend même pas ce que les gars racontent. Même le gars, l'autre là, Admiralty. Et Fauvoyo. Ils ne comprennent même pas un mot. Mais ton âme là est en train de recevoir cette semence qui va produire en toi le péché, mes amis. La vie de débauche. Comme ces hommes que vous écoutez. C'est pour ça, là. Les violents qui s'emparent du royaume. Si tu n'es pas violent, mon ami, tu vas être dedans. Et tu parles en enfer avec ces choses. Même les musiques où on dit, mais il dirait de mal. Mais il dit, comment il dirait de mal. Il va bon en plus. Parce que la source, c'est pas la louange qui vient d'en haut. Tu vois? Parce que ces musiques sont chantées par des hommes qui n'ont pas le cœur renouvelé par le Seigneur. Tu vois? Et c'est pas des musiques qui rendent gloire au Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Il faut chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je vous dis là. Avant, j'aimais le dancehall, j'aimais ça. J'aimais ça. Et à cause de la musique, embrouiller l'ox. La musique a des effets sur nous, vrai ou faux? Pourquoi en Guadeloupe tout le monde a des l'ox? Pourquoi? Ça va avoir une à clocher. Tout le monde le même style, la même identité. C'est parce qu'il y a un esprit derrière. Vous voyez? Vrai ou faux? Il y a un esprit. Et on voit la cigarette, on voit la débauche, on voit la nudité. Aujourd'hui, là, les gens sont nus aujourd'hui. Faut voir ça. Hein? Carénage tout partout. Ah, c'est chaud. Il n'y a plus la pudeur. Je vous dis, le Seigneur
Je vous dis, le Seigneur veut sauver des âmes. Il veut libérer des jeunes. Apprendre aux jeunes comment marcher avec lui. Voyez? C'est pour cela qu'il faut s'approcher devant le Seigneur, s'approcher devant le trône du Seigneur, et il va nous éduquer. Il va nous restaurer. Parce qu'on a été brisé. Tu as été brisé, ma soeur. Tu as été brisé par le monde, brisé par les œuvres du péché. Ton cœur a été brisé, blessé. Tu as été blessé par des paroles des hommes, blessé par les paroles de ta famille. Tu as été brisé. Et le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut guérir ton cœur qui pleure, ma soeur. Quelqu'un pleure beaucoup ici. Tu pleures, pleures. Tu es brisé. Et le Seigneur veut guérir ton cœur. Le Seigneur veut restaurer ce soir ton cœur qui pleure. Ton cœur saigne. Ton cœur est brisé. Et ce soir, c'est ton soir. C'est ton jour. À cause des hommes, à cause des blessures, tu as commis des choses compliquées. Mais ce soir, le Seigneur te dit, il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Tu pleures souvent. Tu pleures. Et les blessures que tu as te poussent à pécher. Te poussent au mal. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur veut te guérir, ma soeur. Sa parole veut te guérir. L'évangile du Seigneur veut te guérir, veut te restaurer. Parce que le Seigneur t'aime. Tu es sa fille, tu es sa princesse. Et il t'appelle, ma soeur, il t'appelle ce soir. Ne vois-tu pas l'appel du Seigneur dans ton cœur? N'entends-tu pas la voix du Seigneur te parler ce soir? Il te dit de t'approcher vers lui parce qu'il veut te guérir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Seigneur mon roi. Oh là là. C'est terrible. Il veut te guérir. Hein? Il veut te guérir. Et le diable, avec ses blessures, il te traîne dans le péché. Et ce soir, le Seigneur te dit, lâche prise, lâche prise. Laisse-le te porter. Laisse-le te consoler, ma soeur. Laisse-le te restaurer. Parce qu'il te pardonne ce soir. Il te pardonne. Il te pardonne. Alléluia. La main du Seigneur sur ta vie, là, ma soeur. C'est terrible. Waouh. Quelqu'un là-bas, là. Le Seigneur est en train de guérir. Oh là là. C'est terrible. C'est ton jour. C'est ton jour ce soir, ma soeur. Tu as trop tourné. Tu as trop tourné en rond. C'est le temps pour toi de rentrer dans l'arche. Le Seigneur te remplit. Hein? Là, il te remplit. Là, il est venu pour toi. Il veut te remplir. Waouh. Restaurer ta vie. Sécher tes larmes. Sécher tes pleurs. Et il fera de toi une femme de prière, une femme qui marchera dans la sainteté, qui marchera pour sa gloire. Oh Seigneur mon roi. Le Seigneur n'est pas compliqué. Lorsque tu te repens, lorsque tu t'humilieras, il va te restaurer. Car le Seigneur ne prend pas compte des temps d'ignorance.
Tu es tombé hier. Relève-toi. Reste pas dedans. Relève-toi. Relève-toi, femme. Relève-toi, sœur. Cet homme t'a brisé. Cet homme t'a blessé. Le Seigneur te dit de regarder à lui. Regarde à lui. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. C'est glorieux. Père, merci pour ma soeur, papa. Au nom de Yeshua. Père, merci pour sa vie, papa. Merci, Seigneur, pour sa restauration, papa. Seigneur, tu l'aimes, papa. Oh, mon roi. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour sa vie. Seigneur, merci pour son âme, papa. Père, tu l'aimes. Oh Seigneur, sois restauré. Sois restauré, ma soeur. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré au nom puissant de Yeshua. Sois restauré. Sois restauré au nom de Yeshua. Oh papa. Oh Seigneur. Le Seigneur est ton compagnon. Tu n'es pas seul. Il est ton compagnon. Tu n'es pas seul. Alléluia. C'est dur en ce moment. C'est très dur. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il te restaure ce soir. Il te restaure. Il te restaure. Oh Yeshua de Nazareth. Oh papa, merci Seigneur pour de la remplir, papa. Qu'elle soit remplie au nom de Yeshua. Aïe, aïe, aïe. Merci pour sa vie, papa, que tu remplis ce soir. Alléluia. Le Seigneur te console. Waouh. La console, mon frère. Hein? Ma soeur. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, il te restaure, il te restaure. Père, merci pour sa vie. Père, merci pour ta présence dans son âme. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Père, merci pour la guérison du cœur. La guérison de l'âme, papa. Merci Seigneur. Merci papa, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh. La restauration. Alléluia. Waouh. Qui veut se repentir? Qui veut quitter le péché? Viens. Venez. Oh là là. Venez, venez, venez. Ceux qui veulent que le Seigneur rentre dans leur vie là, rentre dans leur vie puissamment là, quitter le monde, quitter le péché. Venez, venez. Venez, 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 venez. Oh là là. C'est votre jour. Bon Dieu, bon. Oh là 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 là. Ceux qui sont malades aussi, venez, venez, venez. Vous êtes mariés? Ah ok, d'accord. Ok, comme je vois que tu es là. Vous allez bien? Ça va? Waouh! Oh là 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 là. Oh Seigneur. Mon frère Benaké, vous m'aidez pour prier. Mon frère aussi Dominique, vous priez pour
frères et sœurs.